La saison 2022 a donné lieu à beaucoup d'interrogations, à beaucoup de remises en question et m'a forcé à chercher des solutions pour retrouver un niveau de performance satisfaisant après plusieurs courses dont le résultat m'a laissé sur ma faim. L'Ironman Texas ne devait pas être la première course de ma saison, mais les aléas du calendrier ont fait que tout comme en 2022, la saison 2023 commencera par un Ironman. Depuis un peu plus de 5 mois, vous avez pu voir que mes entraînements ont pris une toute autre direction, avec une combinaison de volume et d'intensité bien plus réfléchie et individualisée. Les longues séances à faible intensité dans le simple but d'accumuler du volume sans stresser le corps suffisamment pour créer les adaptations nécessaires au soutien de la performance ont été laissées de côté au profit d'un mélange adapté mêlant un volume nécessaire mais non excessif à du travail d'allure dans le but de tirer la performance vers le haut. L'Ironman Texas peut sembler être une course relativement abordable du fait de l'absence de dénivelé sur la partie vélo et course à pied, mais cela reste un Ironman et donc une épreuve extrêmement difficile par nature. Garder une position aéro sur le vélo sans réellement en sortir pendant 180 km comporte aussi des difficultés, sans compter le vent que l'on aura de face durant une partie du parcours, ou encore la chaleur et l'humidité qui pourraient rendre le marathon extrêmement difficile, à la manière de ce que j'ai connu à Hawaï. Mais pour être honnête, je ne pense pas que cela soit le cas. Ma préparation n'a jamais été aussi bonne, et malgré certains aléas dont une chute à vélo il y a quelques semaines qui a entraîné plusieurs douleurs, tous les voyants semblent désormais être au vert pour prendre le départ samedi matin. Bonjour à tous, bienvenue au Woodlands, on est juste au nord de Houston, à peu près une demi-heure, et c'est ici que ça va se passer. De l'autre côté, on a juste une portion du marathon, donc on va courir normalement le long de ce petit canal. Un petit peu plus loin là-bas, on va y nager, et très honnêtement, le cadre est magnifique, et j'ai hâte d'être à samedi. C'est une petite semaine qu'on est au Texas et là on est mercredi donc la course elle sera dans 3 jours. C'est vraiment un endroit qui est très joli, c'est super vert, il fait à peu près 27-28 degrés aujourd'hui, pas mal d'humidité, un soleil un peu voilé mais normalement ça devrait pas trop chauffer plus que ça pour ce week-end et je pense que ça va être relativement agréable. Donc ça va être le début de la saison pour moi, ça fait donc depuis fin octobre que j'ai pas fait de course, juste un semi-marathon, un marathon, un 10K, donc ça va faire du bien de reprendre un triathlon et commencer par un Ironman, c'est toujours sympa. Alors comme vous le savez, la préparation a été différente cette année avec un nouveau coach dont je vous parlerai bientôt. J'essaie de l'avoir sur une vidéo pour vous le présenter, avoir un petit échange sympa avec lui, donc je vais pas vous en dire plus pour l'instant, mais ça devrait arriver dans pas longtemps. Et au niveau des entraînements, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, il y a un gros changement par rapport à l'année dernière avec moins de volume globalement, mais beaucoup plus d'intensité et en tout cas une intensité et un volume qui sont beaucoup mieux répartis et qui, je pense, par rapport à ce que j'en vois et par rapport à comment je me sens, vont quand même faire que normalement, je croise les doigts, la performance ce week-end devrait être un petit peu meilleure si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. En termes de natation, normalement ça devrait être une natation sans combinaison, parce que l'eau est assez chaude, donc c'est une sorte de canal, de lac fermé, pas très grand, donc ça chauffe assez vite. Et si la température, je crois, est en dessous de 24,5, on aura droit à la combinaison, mais au-dessus, on ne devrait pas y avoir droit. Donc ça sera une petite difficulté supplémentaire. Après, c'est pareil pour tout le monde. Pour le vélo, c'est assez simple, c'est tout droit, c'est sur une autoroute. Il ne va pas y avoir beaucoup de virages. Le seul truc, c'est, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais il y a un petit peu de vent et ça devrait se maintenir pour ce week-end aussi. Donc il vient du sud et il y a une grosse part. Enfin, la route, elle est orientée nord-sud. Donc en allant vers le sud, forcément, ça va ralentir un petit peu. Par contre, en remontant vers le nord, avec le vent dans le dos, là, clairement, ça va bombarder. Ça va aller très, très, très vite. Donc ça va être plutôt cool. Prévoyez un petit peu de pluie cette semaine pour samedi. Apparemment aujourd'hui ils n'en prévoient plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après le dernier segment c'est le marathon, et le marathon comme je vous disais il va se courir en partie le long de ce canal là, il y en a un qui est déjà parti d'ailleurs, et après derrière le lac, donc pour revenir sur cette zone là, il y a le village Ironman qui est juste là, qui n'est pas terrible, il n'y a pas grand chose, on vient juste de faire la registration, je viens de récupérer le sac. Bon, qui est pas terrible, c'est pas le plus beau qu'on a eu quoi. C'est pas ce qui donne au championnat du monde, hein, ça c'est clair. Et donc ouais, le marathon, je pense que ça va être la partie pareil, la plus difficile, parce que il y a la chaleur, il y a l'humidité, il y a la fatigue aussi, mais je pense que je me suis bien entraîné pour ça. Et on avait mis en place un petit protocole justement pour s'acclimater à la chaleur et à l'humidité, qui je pensais n'allait pas trop être utile vu le temps qui était annoncé, mais au final, je pense que ça va quand même être bien utile, parce que il fait chaud, il fait humide, et forcément le fait de préparer ça, normalement ça devrait quand même aider à tenir un petit peu plus le jour du marathon, et en tout cas à maintenir une allure
assez soutenu le plus longtemps possible sans vraiment subir les effets de ce climat-là. En termes d'objectifs, il n'y en a pas vraiment. À la base, cette série, elle s'appelle Chasing the Slot parce que l'idée, c'était de choper un slot pour Kona. Mais bon, j'ai sorti, la vidéo du trailer 2 semaines ou quelques jours en tout cas avant que Ironman annonce qu'il n'y aurait pas Kona pour les hommes cette année. Si jamais j'ai un slot pour Nice, je ne le prendrai pas parce que ça ne m'intéresse juste pas de payer 1200 balles pour faire les championnats du monde sur un parcours que j'ai déjà fait, qui est très joli mais qui ne me convient juste pas. Donc ça sera vraiment ici pour le temps, pour profiter aussi de la course qui je pense va vraiment être très sympa. Et en termes de temps, d'objectif de temps, disons qu'en natation j'aimerais me rapprocher des 1 heure. Après ça va dépendre si on a la combinaison ou pas. Si on a la combinaison, ça sera descendre des 1 heure. Si on n'a pas la combinaison, ça sera très proche des 60 minutes. Après en vélo, je pense que là ça serait maintenir une moyenne entre on va dire 38 et 39 km/h, ça serait une bonne chose. Donc on va dire aux alentours de entre 4h45 et 4h55, ça serait un bon temps. Et le marathon, on va dire entre 3h05, 3h10, je pense que ça serait une bonne chose. Et voilà, au final, pas trop s'éloigner des 9h, je pense que ça peut passer. L'inconnu, ça va être la chaleur et l'humidité. Forcément, ça affecte normalement la performance. Mais après, je me suis bien préparé pour ça, donc normalement, ça devrait quand même le faire ce week-end. Là, donc, comme je vous disais, on est mercredi. Il me reste encore une petite séance vélo d'1h30 cet après-midi que je vais aller faire juste pour faire un tour dans le coin. C'est super. Vert, c'est super joli, honnêtement c'est une très bonne surprise d'être là. Des grandes routes bien larges, bien jolies, bien pavées, donc vraiment c'est assez top pour ça. Après demain j'aurai un 10 km en course à pied vraiment light. Après demain, donc vendredi juste avant le check-in, j'aurai 1 heure de vélo et là ça sera vraiment pour, j'aurai changé la chaîne, ça sera pour vérifier que tout fonctionne bien, que tout est bien réglé, et après il faudra déposer le vélo et puis voilà, ça sera le go time samedi matin 6h30. Donc la course est diffusée en live, alors forcément c'est plus pour les professionnels que pour les amateurs, mais je vous mets le lien si jamais ça vous intéresse de regarder. Je pense que ça va être une belle course. Et vous pouvez naturellement me suivre aussi sur l'Ironman Tracker. Le numéro que j'aurai, le dossard, c'est le 349. Je viens juste de le récupérer, donc je ne le connais pas encore. Pareil, je vous mets le lien vers l'appli. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger. Allez, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de me suivre. Merci pour vos encouragements. Et je vous retrouve très vite pour la vidéo du debrief.